Faudrait que je change de batterie de caméra. Oh putain, premier jour il commence comme ça là, vas-y, vas-y. Change de batterie, j'arrive. Bon, on est mieux, franchement, on est mieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour le jour 3 de ce vlog Bootcamp Zilan. Ça fait plaisir de vous voir les gars. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que je me suis couché, il était tard, genre à 6h du mat. Le temps de bien manger pour le ramadan et tout. Chose marrante, c'est que j'ai mis mon réveil à 5h30 pour pouvoir boire un coup et manger un petit coup avant le deuxième jour de ramadan. Et du coup, quand je mets mon réveil, Daïf Fatou et Drago étaient encore en train de traîner sur leur ordi. Et du coup, bah, genre, ils entendent mon réveil, ils disent non, mais il est fou, il est taré. Et surtout que je me suis levé d'un coup, tout de suite pour boire, tout de suite pour manger. Ils sont, mais moi, quand j'ai besoin de me lever, il me faut au moins une demi-heure. En vrai, moi je fais partie de cette team qui, dès que mon réveil sonne, je suis debout, tu vois. Genre, j'ai pas besoin de... Non, moi je me lève direct. Au contraire, je trouve que c'est mieux, tu vois. Parce que plus tu restes dans ton lit, plus tu es dans la merde après pour te réveiller. Tu dis, ah non, encore 2 minutes. Après, tu perds du temps et tu perds ton... Enfin non, c'est terrible. C'est terrible, faut le dire. En tout cas, très bonne journée aujourd'hui. Je pense, je crois, j'espère. On est le samedi 3 avril et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fatou. Du coup, je suis rentré dans sa chambre. On va aller le voir. Anniversaire. Merci BG. Voilà. Mais du coup, je te. Attends, si on te découvre, t'es nu? T'es nu? Oui, là oui. Là t'es nu. Ah là oui, je suis nu. Ah là t'es nu. Là, genre si je tire fort, oui. Genre. Là c'est 100%. Ah oui, ok. On va éviter, on va éviter. Bon allez, je te laisse. Bisous. 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 Ouais, il devait être en train de se branler, justement. Faut subvenir à ses besoins vitaux, hein, même en bout de camp, les gars. Bon, aujourd'hui, quel est le programme de la journée? À 14h, j'ai une émission après-midi avec Catsup, avec Valouz, avec Timout sur Minecraft. On va faire du Fallen Kingdoms. Ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Ça va durer, je pense, 3h, 3h30. Pas de scrim aujourd'hui. Hier, on a eu un scrim Fall Guys, un scrim Apex. Le seul scrim qu'il y a, c'est Age of à 21h. Que je vais pas faire parce que je suis toujours pas à l'aise sur le jeu. Pas assez pour m'affronter face à des équipes qui sont... Genre, il faut vraiment que je me chauffe de ouf sur le jeu. Que je comprenne quoi faire, il faut que je joue une game où Fatou me dit tout ce que je dois faire. Je pense que c'est comme ça qu'on va jouer. Le but d'Age of, c'est juste qu'on passe en phase 2. C'est pas le... Enfin, il faut qu'on fasse un top 2 en phase 2, on n'est pas excellent. Mais je pense qu'avec Fatou et Drago, qui sont vraiment monstrueux, ça peut le faire. Pas de voiture à déplacer aujourd'hui, parce que je l'ai bien garé. On m'a toujours pas appelé, donc ça veut dire que je suis bien garé. Je pense, j'espère, je crois. Et sinon, au niveau du programme de la semaine, je sais que demain, il faut que j'aille faire ma procuration de vote. Donc je vais appeler mon père pour lui demander si je peux lui faire ma procuration de vote. Parce que comme la Zilan est le 8, 9, 10 avril, et que les élections présidentielles, le premier tour est le 10 avril, vous vous doutez bien que je pourrais pas aller voter dans mon bureau de vote tout seul, genre, c'est pas possible, genre je peux pas voter à Metz et revenir à Lyon, tu vois, pendant la LAN, c'est mon père qui va aller voter à ma place, c'est le genre de choses qu'il faut penser et tout, petite phrase au niveau du vote, n'hésitez pas à voter, c'est toujours cool, même si vous votez blanc, voilà, je pense qu'un vote blanc est beaucoup plus important qu'une abstinence, et on a un beau droit, c'est d'utiliser, voilà. Message pour la jeunesse. Sans parler d'aspect politique, bien évidemment. Je vais aller prendre ma douche en bombe et je vais aller préparer la vidéo d'il y a 2 jours pour vous et d'aujourd'hui pour moi. Ah oui, bien évidemment, on va aller se faire un petit tweet parce que comme c'est l'anniversaire de Fatou, je pense que c'est important. Le mec dort en souriant, ça me termine. Hein. Oh non, mais attendez, si je tourne, on va voir mes pieds là. Oh, ça me stresse. Regardez. Est-ce qu'on voit? Merci Zach Nani pour ta notif de live. On va faire un petit tweet pour Fatou, des cadeaux. On va lui souhaiter un petit anniversaire sympa. N'hésitez pas à me follow sur Twitter et sur Instagram, il y a plein de stories, plein de tweets qui partent avec le bootcamp. Vous allez louper des trucs les gars, vous allez louper des trucs. On est en train de préparer, mesdames et messieurs, les votes Minecraft de Catsup. Donc on est avec tout le monde là sur le serveur. Je suis en train d'aider tout le monde à se link, etc. C'est grave cool en vrai. Juste, ils ont remarqué que j'étais pas un débutant sur Minecraft et du coup c'est un peu drôle. On se prépare pour faire un FK. Et genre, vous vous souvenez du genre de base que j'ai fait dans FK? Voilà, je sais jouer, tu vois. Et eux, ils sont en mode, mais il faut faire quoi dans FK et tout? Ils sont mignons, ils sont trop mignons. Eh Bichard, on ouvre comment le truc pour faire genre une table de craft et tout? Ah, eux. C'est bon, on peut arrêter de taper du bois? Ah oui, non mais... Je vous jure que c'est purement pour trop parce qu'il y a des lettres différentes. Hein. C'est juste parce qu'il y a des lettres différentes. Hein. C'est vraiment juste pour ça. Hein. Baiser. Ah non, mais ouais, pas d'air. Baise. Baiser. C'est pas possible. Mais non. C'est un appel? Peut-être un mec. Hein. Peut-être c'est un signe d'adieu. Voilà. Tout va bien. Tout va bien.
J'espère que ça va les gars. Pour moi, ça va super, on a coupé le stream. Il est actuellement 2h20 du matin, je suis déjà extrêmement fatigué, mais c'est pas fini. On regarde, mesdames et messieurs, la guerre des pixels actuellement. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, on regarde le stream de Kameto. Mais c'est vraiment un gros kiff, genre un gros gros kiff. Je trouve ça hilarant. Vraiment, je trouve ça hilarant, la guerre des pixels. C'est incroyable ce qu'on vit là ce soir, et je pense qu'on va le garder ça, cette image-là, on va la garder pendant très longtemps. On a toujours les deux zigotos qui sont en train de train, toujours. Et moi, faut que j'aille manger, j'ai encore un burger à côté. Demain, on va se lever plutôt tôt. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que je dois aller faire ma procuration pour le vote. Il faut que je l'envoie à mon père. Et en même temps qu'on aille faire des courses, parce que niveau frigo, on n'a pas grand-chose. Et on doit tenir encore une semaine. Donc bon, ça va être un peu long. Mais je pense qu'on va pas tarder à lancer le confessionnal. Hein, parce que bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le jour 2 ou 3, ça dépend comment vous voyez les choses. Une journée un peu compliquée parce qu'on a fait un stream AOE. Pour ma part, après il fallait s'y attendre, mais il y a eu du focus donc je me suis fait rush les deux games. Ça s'est pas très bien passé de mon côté en passe mytho. Drago lui aussi s'est fait rush sur la première game, il a réussi à sortir sur la deuxième. Ça c'est ok, mais bon, c'est les conditions de LAN, ça va être comme ça le jour de LAN, donc ça il fallait s'y attendre. En tout cas, moi pour ma part, ça va plus. Ça a pu aujourd'hui. J'ai ouvert le frigo, j'ai vu que il y avait deux petites tranches de dinde qui se battaient en duel. J'ai demandé à Fatou de faire les courses, il y a bien déjà ça a bien longtemps, mais faut croire qu'il n'a acheté que des M&M's pour un week-end entier. Non vraiment je rigole zéro. Que des M&M's. La tension commence à augmenter plus en plus, on a des cartons de pizza qui traînent depuis maintenant une semaine. Sinon au niveau de l'équipe, bah, toujours pareil, hein. Franchement on avance. On est là, voilà, qu'on a encore quelques trucs à bosser, on espère être au top pour la LAN. Là pour le moment, il s'agirait de rééquilibrer un peu les forces, dans le sens où combler nos faiblesses sur les jeux, et puis voilà. Sinon, au niveau de Drago, faut vraiment qu'il se rase. Hein. J'ai des poils partout. Poils partout. Ça pire qu'un chat. Même un chat, il perd moins ses poils. Ensuite, un petit scrim improvisé sur Raiders, qui s'est très bien passé pour ma part. Donc là, plein de confiance. J'ai fini d'aller prouver, donc ça c'était cool. Sinon, au niveau ressenti de LAN en globalité, ça commence à arriver. On se rapproche de plus en plus. Il faut continuer à bosser, il faut pas lâcher prise. Faut surtout qu'on bosse le relais, parce que bah, c'est aussi le plus gros avantage du bootcamp, c'est qu'on puisse bosser le relais. Faut passer dans la phase de perfection, c'est-à-dire qu'il faut réussir à régler les petits détails, bosser le travail de team, le moral, tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, pour le cinquième jour, enfin le quatrième, pardon, on va taffer plutôt les gens en relais, donc Elden Ring et AOE. Sinon, je crois qu'il y a un de nos deux compatriotes qui s'est pas douché aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas entendu l'eau couler beaucoup de fois. Hein. Surtout au niveau de l'odeur, genre, il y a une odeur qui persiste, mais ça peut pas être moi. Mais... Sinon, moi je pense que globalement je suis plutôt prêt. Voilà. Sinon, après, au niveau de l'équipe, toujours aussi peu d'affection pour l'individu qui se nomme Drago. Mais sinon, voilà, on y va, on avance. Un peu dur à encaisser quand même de vivre avec ces deux zigotos, mais bon, on va le faire. Y'a un mec qui schmoutz, je rigole zéro. Moi. J'espère que je vais survivre jusqu'à demain. À demain. Enfin, j'espère. Et voilà, bisous, c'était pas tout, ciao. Bisous, hein. Ouais, bisous.